Alors, il y avait presque 9 mois. En 9 mois, on conçoit un bébé. Justement, c'est ce qu'on a fait virtuellement. Bdina avec notre petite idée. Bdina Betalza. Bah voilà, Bdina Bchoya Bchoya. Bdina de la notoriété télé. Tawanes, plus que Yakluna et Seluna, Yartuna Fika. Autant les professionnels de la santé, maintenant mes confrères et mes consoeurs, que ses confrères et ses consoeurs à lui. Et surtout, tout si il est ahna, le rail interne à l'oulanie, qui est justement, bish, nwasoulou l'maalouma. Autant on khali comme pour les nouveautés, magie. Je me roule chaque calam de bacha. Bon, les nouveautés, maintenant, Flash Santé n'est pas juste une émission télé. On va se positionner de plus en plus vers les autres réseaux, comme la radio. Aussi, on va créer le premier portail santé en Tunisie. Inch'Allah. Donc, c'est une expérience qu'on a eue, fait Telvza déjà, ou Talamna. Mais le web, on a la page Facebook, Flash Santé, les Vahre Télé, Dour, autant que la télé, Linda, c'est ça. Voilà. Exactement. Ouais. On a remarqué, puisque on est novice dans le domaine, vraiment, par les petits moyens, ou surtout, personnellement, je pense que l'avait dit Maroulnesh, pour une fois. Je ne savais pas qu'on allait avoir autant de bâtons dans les roues. Mais je remercie vraiment l'avait des deux, comme les Maroulnesh Belkol, mais ils nous ont montré qu'il y avait des gens très bien. Que toi justement, je remercie. Oui, voilà, on a le droit chemin. Mais justement, donc la plage, exactement, la page Facebook, merci beaucoup. Le Tounsi, il y a un qui a des sujets. Il y a un merci, et donc, au quotidien, parce que ce que je voulais rappeler, c'est que pour moi et pour Jiet, ce n'est pas du tout facile. On essaye de se positionner en tant que leader dans ce domaine. Ou le Raya Pernarahi, c'est pas du tout de faire de la pub avec ce grec, mais vraiment, le Tounsi, quel que soit-il et où soit-il, le barra, le kharaj, le tounes, le kbir, le srir, c'est ça, non? Oui, donc Flash Santé, en fait. Tawa, elle s'est très bien positionnée dans le paysage audiovisuel tunisien. Elle a pris sa place. La bête, c'est un affaire. Cette fois, je vais te donner des conseils internes. On prend notre rôle de conseiller très à cœur. Les maladies peuvent survenir à tout moment et justement, en y étant bien préparé, c'est là où on peut donner le plus, quoi. Voilà, al-wiqaya khayr min al-ayal. D'ailleurs, c'est notre slogan, al-wiqaya khayr min al-ayal. Le Tunisien, il s'intéresse de plus en plus à sa santé. Le Tunisien ne veut plus être juste téléspectateur, il veut être acteur même. D'accord ? Donc voilà, il est le bâche à la sarte, et nous allons faire le rendez-vous. Le Flash Santé, c'est l'émission en qualité de vie. Et nous avons juste, toute personne, et nationalité, d'ailleurs, all over the world, des émissions, des conférences mondiales. Ah, là d'ailleurs, bon, on a une petite surprise, on a été même interpellé par des gens de l'étranger. Twensa ou rien Twensa, enfin, Twensa fait le kharaj, qu'on n'a pas bon à nous comme parce que on a des visions, on a des émissions car on a ahna qui m'a dit que Dina a des petits moyens, mais Inch'Allah, pour la trappe, je n'ai pas tout baïd ou baïd. On fait une association, on a bon à nous, les gens qui ont des moyens, ils ont des amrades, ils ont des fouches qui font des wéhou. Ils ont des circuits, ils ont des wéhou, ils ont des wéhou, ils ont des wéhou. Donc, elle a Jied, on nous a contacté, surtout Jied, il peut se déplacer, donc il se déplace. Monsieur, il y a un peu de majoud, ou elle a un peu de vraiment. C'est vrai qu'on est deux à paraître, mais je voulais le remercier pour l'effort qu'il fait énormément. Je voulais aussi remercier les téléspectateurs. Les gens se sont rendus compte. On tape beaucoup, quel que soit. Quelles que soient les rues du Fusion, on passe. Donc, je suis sûre et certaine que tout si vous tout le le kbir ou le srir, rah ou saha, tout le monde. Tout le monde.
Ça, j'aimerais bien leur dire, leur faire communiquer ce dont un pharmacien et un médecin ont été capables de faire. C'est une vraie prouesse. Après tout, on a eu beaucoup de gens nous ont mis les bâtons dans les roues. On a une boîte de production, donc on est producteur, animateur, journaliste spécialisé dans la santé. Flash Santé se positionne en tant que leader dans le monde audiovisuel, surtout dans la santé. Flash Santé, c'est la première émission médicale présentée par des professionnels de la santé. Voilà, et donc je tenais à le préciser, c'est quelque chose de très important. Oui, oui. Et là, d'ailleurs, je voulais justement m'adresser à mes confrères et à mes consoeurs, aussi les pharmaciens. Il y a un douhaj et habib taraha. Il y a un dou, manta, rahou. Flash Santé, c'est pas une plateforme pour dire voilà cette maladie, j'nakio, prévention, rahou. On veut que ce soit une plateforme interactive. Ce qui est bien, l'interactivité, il dit qu'un choufoufia fait page interne. On a beaucoup de médecins qui donnent des avis, ils font des émissions. Manata, dis-moi bien sûr, il y a le respect mutuel. On n'est pas là, manta, je le dis et je le redis, pour. Pour faire le show. Pour faire le show. On est là, et on n'oublie pas du tout les métiers, tout ce qui est paramédical, les kinés, les orthophonistes, les col, marhababiko. Vous avez les moyens de nous contacter. On a déjà fait des essais, des métiers manchmaroufines. On l'a fait avec une jeune prothésiste. D'ailleurs, c'est quoi ce métier? Mais que le chien, les femmes, des prothésistes, fitounes. Donc, les métiers de l'ombre, par exemple le médecin, le machin enfin malté. Les gens croyaient que. Donc, or, c'est ce qu'on essaye de faire. Les jeunes, les mouches à flou, ils ont un métier. Après tout, femme à l'infirmier qui délègue les soins, femme à le pharmacien qui conseille, femme à c'est tout. C'est un cercle très, très particulier. Donc, marhabé, benez l'école. Il y a un fakra, il y a un haja. Qui m'a dit, kiff, la santé, il y a l'assurance maladie. On essaye de parler aussi des maladies, pourquoi certaines sont assurées. Voilà, Inch'Allah, on arrive. Bon, mais c'est le chemin dit. On est prêt à affronter tous les défis. Oh, alors Flash Santé, c'est pas, on parle pas juste médecine. Voilà. C'est la santé en général, médecine de travail, santé de l'environnement, c'est tout ce qui est santé. Et sport. Voilà. On va essayer. On veut faire bouger les choses. On veut bousculer les choses, même s'il y a des événements qui se passent. Flash Santé sera là au rendez-vous. On s'acclimate. Si l'événement, on est d'actualité. Ça, c'est très important. Il y aura beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises. Donc, tabouna, unqdouna surtout, qu'une fois ma haja ajbatkom. Merci. Nous justement cette interactivité. Je ne sais pas comment je vais les surprises, mais tabouna attend les émissions, tu vois, surtout fait page interne. Inch'Allah, on aura un portail qui faisait interactif. Ça peut aussi soir, nous allons jouer nakaha ou quand même juste moins soir, nous allons faire la radio. Voilà, ou ahna disposé, juste moins le petit rachat l'école, que ce soit tel marda ou l'un des associations. J'insiste sur le fait que nous avons les associations, on est prêt. Les médecins, les confrères, les consoeurs, les pharmaciens, tous les métiers qui ont attrait les médecines, même qu'une femme a des laboratoires, ils ont besoin de se faire aider, on est disponible. Elle est de plus en plus suivie et appréciée. C'est vraiment qu'on fait du bon travail. C'est Monsieur et Madame Santé Fitounes. Docteur Hakim Kentaqbel.
Voilà. Ou tawa le duo, hein, Jied et Linda. Non, mais je pense qu'on forme un beau couple, un beau duo, chacun dans sa spécialité. Demandez conseil à votre pharmacien, c'est moi que tu fais une question, ou Linda c'est plus carré, médecine. Voilà, donc voilà. C'est très bien. Donc suivez-nous à la Flash Santé ou à la page Facebook Flash Santé Zeda.